Bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et le prince Harry. Une information que je souhaitais te donner, c'est en fait le fait que pour l'occasion de l'anniversaire du prince Harry, vous vous souvenez que j'avais parlé des fans du couple Sussex qui avaient monté une cagnotte afin de recueillir le maximum d'argent pour verser à l'association CAMFED. L'association CAMFED, c'est une association qui se voue à faire des campagnes pour l'éducation des femmes, enfin les femmes et des filles, notamment en Afrique, qui se dédie à éduquer les gens sur la nécessité d'avoir une égalité au niveau de l'éducation pour les filles. Donc, à l'occasion des différents anniversaires, c'est-à-dire ceux de Meghan Markle et ceux de Harry, ils avaient décidé de faire cette cagnotte. Cette cagnotte, maintenant, se monte à 132 000 dollars. 130 000 dollars pour la cagnotte, ce qui est du jamais vu. Cet argent sera reversé à CAMFED. Alors, devant la générosité de leurs fans, la duchesse de Sussex et son mari, le prince Harry, ont décidé de matcher le montant de cet argent qui va être livré à CAMFED et d'apporter le même montant, 130 000, à la même association CAMFED, ce qui fait que CAMFED va recevoir 260 000 dollars. C'est l'équivalent de à peu près, on va dire, 220 000 euros. 220 000 euros, c'est incroyable, ce n'est jamais arrivé avant, il n'y a pas eu ce genre de campagne de fête pour les autres membres de la famille royale. Ça montre en fait à quel point le prince Harry et Meghan Markle, sa femme, sont soutenus dans le monde entier et que leurs fans sont prêts à faire des actions aussi généreuses pour leur charité et celle qu'ils patronnent. Donc c'est un bon geste pour les fans du couple, hein. C'est incroyable. Et le couple lui-même, à l'occasion de l'anniversaire du prince Harry, a décidé de mettre 130 000 dollars pour cette association-là. Donc voilà, c'est une très bonne action, c'est très généreux, ça ne fait que montrer la bonté du couple et aussi la générosité de celui-ci. Aussi, ça taira peut-être les rumeurs de problèmes financiers que soi-disant certains disaient qu'ils avaient. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à laisser des commentaires afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci encore.